Bonjour ton tube. On est avec Chien et Pardi. Jouer. Jouer. Pourquoi tu joues pas là? Pardi, joue. Deux secondes. Avec ta malédiction là. Par contre, du coup, si t'es mage, tu veux pas le grimoire brûlé là? Bah j'en ai un sur moi en fait. Ah. Et vu que j'ai une jaque pour l'instant et que j'ai pas de bonus pour la magie autre qu'un bonbon que j'ai gobé. Y a pas d'utilité d'urgence suprême. Ouais. Il peut pas jouer, Pardi. Pardi. Mais c'est pas que je veux pas jouer, c'est mon jeu. Il y a eu trop d'informations pour lui d'un coup. Il a fait non. Comment ça? Donc je tu laisse. Veux que je kick de la game. Hein, je peux m'arranger. Mais non, fais pas des choses comme ça. Ah garde oui, du coup, c'est moi qui vais devenir l'intellectuel. Ouais, garde dans un quand même, ça peut toujours être utile. Ouais. Tout à parchemin d'identification, je le... Ah voilà, c'est bon. Ah, ça y est, il a bougé, incroyable. J'ai cru que j'allais devoir le pousser. Pour... Faut que j'attende. C'est pas un donjon. Et c'est la nuit. Ah ah ah. Pas ouf niveau PV quand même. Ouais, non, j'ai fait des superbes jets de dés en votre absence, absolument improbable. Est-ce que je peux te laisser en gage? Oui, si tu veux. Ouais. Merci. Comme ça, je récupère 4 PV, je suis à 60% PV. Donc... Hop. Moi, j'embrouille la chauve-souris. Bah voilà. Ok. C'est honteux. C'est toujours un poil de XP en plus, hein. C'est honteux. Ah ouais, je suis quoi? Ouais, je nous ai fait faire un donjon. Ok. Et on s'est tapé une mimique niveau 2 direct. On a failli crever. C'était bien. Ah, le jeu était équilibré. Avec le cul. C'est un verre de pirate ici, un balai, hein. Ma chaleur. Alors, évite de tuer celui du milieu. Ouais. Parce qu'en fait, moi, quand je tire, je zone. Joli. Fait quelques dégâts, le bonhomme. Hein. Rechargement. Oh. Rechargement. Oh. C'est pas beau tout ça. Ok. Je me suis moqué de lui. C'était horrible. Le fait que t'as 2 points de trop. Ouais. T'inquiète. J'oublie pas. Bon bah, suis du milieu, adieu. Ouais, je dois te faire 2 zones du coup. Put. Ah, carrément. Le mec, soit il consomme rien, soit il consomme tout. Bah, c'est pour lui infliger un saignement, mais les saignements ça. Ça sert à rien, il sera mort. On va jouer tous les 3, on va le tuer. Ouais, sur toi, il est mort. Quoi. Voilà, regarde. Pour le moment, on est trop en dégâts physiques. Oh, je l'ai pas eu. Oh là là. Ah, allez, écoute, mais pas du aspect. Coup, t'as pas équipé ton. De grimoire? Ouais. Toujours pas, parce que j'ai un bonus actuellement grâce à la Jacques. Ah. J'ai demandé. On se fait vieux, mec. Non, j'étais. Si, si. J'en ai déjà un et je t'ai dit qu'il n'était pas équipé parce que pour l'instant j'ai une Jacques donc j'ai un bonus. Ah. My bad. Est-ce que tu veux ça, Parzi, ou trop pour toi? C'est un poil trop quand même. Hein. C'est poubelle, c'est le même dégât en plus que son arme, je crois. Des bottes de pêche, tu veux ça, Parzi? Non, Parzi, il a déjà le chapeau et il a déjà les bottes de la vigilance. Ouais. Et ouais. D'accord. Là, faut juste que je passe au rendu. J'ai pas assez d'immunité, en fait. Je vais les prendre. Voilà. Ça, tu vas prendre par contre. Ah ouais, ça, c'est avec plaisir. Assez. Cadeau. Cadeau. Temporairement, je suis en fou. Tiens, Parzi, tu me files l'argent et tu me files le stuff que t'en trouves. Je vais aller vendre tout ça. Bon, faut aller faire des trucs dans la forêt sentinelle. Ça pourrait pas suivre. Ouais, il faut. Tiens, prends ça. Merci. Tiens, prends ça. Et l'autre espèce de sale tête voleur. Ah non, je vais garder les crochets. J'ai pas envie de les donner à Parzi. Je l'aime trop. Je l'aime. Personne ne l'aime.
avec son esquive à 15%. J'ai plus d'esquive que toi. Ridicule. Il faudrait peut-être qu'il s'enlève sa malédiction, je pense. Ouais. Il y a un marché nocturne qui s'est ouvert, hein, si jamais on peut aller choper un bonbon. Oh, il est loin. Ouais, pas tant que ça. Et le bonbon, tu sais, c'est la vie. Ouais, c'est la méga life. Eh ben, normalement, dans deux tours, j'y suis. Lâche un peu de thune à Pardy qui puisse enlever sa malédiction. Ouais. Attends, je vais aller regarder combien c'est. Je peux pas le voir, je crois, tant que quelqu'un n'est pas en vie. Bénédiction, 16, pour 16 PO. Ok, ben, je te lâche 16 PO. Alors, 16 balles. Compte un peu plus large, compte, je sais pas, parce que ça, en fonction des tours qui défilent, ça peut augmenter. Ouais, j'en file 20. Bénédiction, non, c'est toujours 16 balles. Yeah! Hier? Yeah. Non, aujourd'hui. Yeah! Comme t'as dit, hein, j'en avais d'autres trop. Il se la pète tellement qu'il a acquis ce marqueur là. Il y a un marqueur sur la statue là, ça me stresse. Ah, ça doit être moi. Yes. Moi, le mien il est vert. Le mien il est de quelle couleur? Pas de bonbons. Et bah donc on se fout de tout. Je peux quand même vendre des merdouilles. Hein. Oui, oui, je vais vendre des merdouilles. Mais il y a des choses qui sont sympas. Non. Je vois que des objets qui se pètent. Les pierres précieuses sont très très bien contre les esprits, c'est oufissime. Ouais. Mais donc, les sous-fétiches chats noirs, tout ça, ça vaut pas le coup. Je vends les merdes. Si, ce qui peut être intéressant à long terme si on a envie de se ruiner maintenant, c'est de prendre les fléaux des harpies. Parce qu'on trouve jamais des tonnes. Mais en vrai, autant économiser. Ce qui va nous tuer, c'est les erreurs de party. Hein. C'est pas le jeu. Parce que toi, franchement, là, le moine, je te verrais bien avec le stuff des enfers de la tête aux pieds. Ben, quand je trouverai. Hein. Par contre, ça me saoule. Si, ça a exploré, c'est bon. Y'a un archer dérangé, ça va être pour toi ça. Embuscade! Je peux prendre Rèche. Mais il est mort. Merci pour le bon. Exactement. Oh! Je t'ai trouvé un truc. Ça... Merci. Je trouvais un peu de monnaie. Je me suis rappelé que j'avais rangé un peu de pognon dans un tiroir quelque part. Que je l'avais abandonné au pied des montagnes. Money, money! Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il régénère des points de vie là, comme ça. Oh! Bah ouais, comme ça lui, enfin lui, pardon, Shina, il peut aller chercher le trésor. Ouais, bah t'aurais pu embrouiller un cube de gelée verte. Oh. Bah ouais. Moi je croyais que tu joues le chasseur, hein, excuse-moi. Je croyais que t'aimais l'XP. Voilà, tac tac. On retourne vendre le merdier. C'est bien un kit de réparation pour bateau. Top. Ouais, mais le parchemin de récupération, ça. Bah, tu peux vendre les herbes de l'ermite hein, et l'ortie dans le sang, hein. Tu t'en serviras jamais. Ouais. Peut-être un jour on jouera à cette game avec un niveau de difficulté plus élevé, avec des gens qui savent se servir de la wheat. Et bien voilà. C'est ça, pardi. Merci. Hein. Épreuve de force, c'est bon. Hein. T'en sers jamais des wheat. La wheat, ça sert à rien. Embuscade! C'était pas le moment de la rater celle-là. Oh, bon, bon. Ah, je suis tout seul! C'est ce que je t'ai dit, hein, t'es tout seul, fais gaffe. Bah, donc tu vas faire un tir et tu vas recharger. Là, une petite esquive. Bah, voilà. Immunité! Ouais, oh. Je suis immunisé en fait. Et en fait, y'a plus de gelée. Voilà. Immunité contre le poison. J'ai détruit la gastronomie britannique. J'ai déjà la même sur le dos, mais j'aime bien changer de vêtements. Oh, ils sont propres! Pardon. Exactement. Et je vais me mettre là, est-ce que je peux tous vous prendre? Ouais, entrer avec le crew. Je
je suis pas ouf niveau PV hein. Mais si t'es large. Ah si tu le dis. Et on est pas allé en ville récupérer les barbes de dieu hein. T'en tireras juste après. Ouais. Et t'achèteras d'abord celle du donjon, elles sont moins chères. La médiocrité. Je sais qui fait que là. Bon, tu vas t'en sortir, une petite attaque de base suffit hein. Voilà. Bon, t'en aurais pas besoin de plus hein, visiblement ça aurait été compliqué. C'est pour toi ça. Non, ça c'est pour la poubelle. Tu l'as déjà passé, c'est ça? Non, je l'ai pas déjà passé, mais c'est intéressant pour savoir où sont les trucs des fois. Ouais, bon vas-y, je le prends. Surtout intéressant pour se payer un meilleur bateau. Pas des trucs à te filer. Ah aussi tiens. Voilà une petite jack. Ah il me reste plus que deux. D'ailleurs toujours t'équiper d'une jack parce que je crois que t'as pas d'armure. Non j'ai pas d'armure c'est et vrai. Bah, mets-toi une petite jack Daniels. Et prêt. Ouais. T'es un peu plus blindé. Bah ça c'est super. Ah bah ça c'est super. Ah ça suffit quand même pour la tuer. 7 dégâts c'est suffisant. Parfait. Demande le peuple. Esquive. Bah yes, un tour chacun. Allez hein. Prochain coup. Il y en a un qui passe au niveau. Ce qui va lui permettre de récupérer quelques points de vie. Ouais. Ah, il y en a deux qui passent niveau 2 là. Ah oui, je passe aussi, ouais. Je vais peut-être passer. C'est un boss. Mettre un soin de groupe avant de rentrer en boss. Mais non. On verra quand on y sera. Vas-y, wish. Normalement, c'est un gros type débilus. Ça va bien se passer. Niveau 4. Niveau 4 avec 90 PV. Ah ouais bah alors là. Bon bah si vous voulez pas jouer hein. Ah j'aurais pu le ralentir. Ça va faire mal. Eh non je suis large. Il me reste au moins 6 points de vie. J'avais une jauge de vie, j'en ai plus. Mais utilise son point de vie. Je vais le buter hein. Je pense que là effectivement tu seras en gros. Oh ma gueule! Hey. On est niveau 1. Bienvenue en pleine mer. Bah apparemment ça sert à rien d'essayer de mettre un. Non mais saignement tu pourrais mettre. Pardon? J'en ai rendu deux! Eh c'est vraiment. Oui, tout à l'heure aussi, ça rend en fait 1 à chaque. Tous ceux qui sont à 0, en fait, j'ai l'impression. Eh bah, c'est. Mais par contre, il veut pas que je joue. Hein. Il sait que je lui fais trop de dégâts. Eh bah, tiens, encore. Et tu vois, ça ne rend qu'à ceux qui sont à 0. Par contre. Ouais, là, ça ne m'a rien rendu. N'hésitez pas à Ouais, mais enfin, je, sens... je n'aime pas me sentir acculé sur mes points. Ah, par ici, la bonne soupe. Ça, c'est. Équipé. Pas pour toi. Moins en vitesse, mais ouais. Et plus ça en force. Mon arme elle est à deux mains ou pas? Non, une main. Tu peux équiper un bouclier. Faut un bouclier. Bon, je suis tombé en dégâts, mais je fais du dégât magique. Donc on fait quoi? On va au sud de Bouram là. Je te donne ça. J'en ai pas besoin. Et les crochets, tu l'as gardé, sale voleur, c'est ça les crochets? Bah ouais. Bah tiens. Moi je vais faire aller-retour Boituyer Bouram pour récupérer des barbes de dieu. Pour notre archer là. Mm-hmm. T'as un défi d'archer tout à gauche là. Ouais, j'y vais. Ok.
Pour le mec musculeux, il y a un artefact enterré au top. T'inquiète. Et puis bah, moi je vais aller à un port, nous sortir un bateau. Hein. Yes. Tu veux le... Voilà. Ouais, c'est pas moi qui l'ai. Ah, du coup, je vais agresser le cube gelé. Le cube gelé. Ok, hein. Quel cube gelé? Au nord. Enfin, à l'ouest de ma position. Ouais, ok. Ah oui, parce qu'il est sur ton chemin pour y aller. Ah oui, oui, ouais, bah vas-y, hein. Régale-toi. Ah non, je ramasse personne. Faites ce que vous avez à faire, moi je vais récupérer un trésor. Ah bah, il s'en est allé. T'as ça aussi à faire. Il s'en est allé et Shina lui il s'en est allu. C'est un talus. Super. Ouais ouais le truc d'eau mais ça je vous récupérerai plus tard. Hein. Il fallait que t'ailles au nord toi, pourquoi tu descends loin? Ah t'avais pas acheté les barbes des Deus? Non j'avais pas fait. Ah. Je peux acheter en moche aussi. J'achète rien du tout. Faut qu'on achète un meilleur bateau. Ah bon? J'achète pas les barbes de dieu? Ah si, tu les as achetées déjà. C'est ouais, beau, et la pipe en os? Je la prends? Ouais, vas-y, prends-toi ta pipe en os. Mais ouais, ça maintenant on est fauché. Quoique, attends, un bateau marchand, je crois que... C'est 250? Ouais, non, c'est 90. Ouais, on va pas s'acheter un bateau marchand, avec la première île qu'on va croiser va nous proposer le navire blindé. Donc non, ouais. Mais vas-y, après, vite ta vie, va faire des choses intéressantes. Bah, je vais à boîte de billets, je récupère les barbes des yeux et puis c'est ça. C'est tellement pas avec cette merdouille. Bravo! Bonne 4 minutes, ça. Joli. C'est classe, ça. Muchas gracias. Voilà. Vends l'ortie d'encens, tu t'en serviras jamais. Si, moi les orties d'encens, je m'en sers, mais... C'est rien. Ok. Ah oui, donc, ouais, ok, donc on est vraiment fauché. Intéressant. Heureusement que j'ai trouvé un coffre. Dans deux tours. Voilà. Ok. Personne n'attend de rien. Non, personne n'attend de rien. Ok. Bah, je vais attendre là. Tu vas me ramasser de toute façon. Non. T'es un peu trop loin là. Attends que ah t'as pas ramassé tes trucs premièrement. Ah oui. Que t'as ton talus tout ça, il t'oublie à une vitesse folle. Hein. C'est vraiment ouais. Impressionnant. La vieillesse, hein, tout ça. Ouais. Tue des gens. Oh oh. Est-ce que de groupe ça c'est pas. Oui, j'ai besoin de talent encore. Ouais. Ouais, mais par contre deux esquives de groupe c'est très cool. Quoi, j'aurais dû avancer le radeau d'un coin en plus. Bah ouais. Ouais parce que du coup t'aurais pu le prendre là, traverser. Mm-hmm. Bah yes. Bah tant pis pour toi. Électrique sur le code. Là c'était plus chaud. Oh. Pour toi ou pour moi? Moi je suis plus le tank. Ouais, bah, plus le tank normalement c'est plus pour lui. Ok, j'ai récupéré alors. Ah ça c'est cool, merci. Alors pour toi c'est les bonbons de résistance magique. Que tu puisses tanker à fond. Voilà, déploie nous ton plus beau cerveau là. Joli. Absolument impressionnant. Bon, t'es beau... Et tes plus beaux muscles? Impressionnant tes muscles. Ouais.
dès que j'approche. Oh, un petit coffre. Il y a un petit trésor gardé derrière toi. Oh, j'arrive. Enquêter sur le truc. Oh, c'est normal, je suis magicien. Je peux juste en ramasser un. Je vais le ramasser. J'ai encore du matos. Yes. Équipe. Équipe. J'ai 84 en machin. Voilà. Ouais, bon, bah, des bottes, hein. Quelqu'un a des bottes? Quelqu'un n'a pas de bottes, excusez-moi plutôt. Ça, c'est pour toi. Oh, ouais. Oh, oui. Du coup, j'ai un casque pour le guerrier qui peut t'intéresser. C'est juste 2 d'armure, esquive des pièges d'élite, mais 4 de vitesse. C'est un casque qui donne pas de force, mais de la vitesse pour le stuff, tu sais, un peu guerrier rapide, ouais, quoi. Je vois. Si jamais ça t'intéresse. Oh, je me reconcentre grâce à ce chapeau! Oh, c'est le chapeau de la reconcentration. Voilà, je sais pas si tu peux nous récupérer ou pas. Ah non, il s'en fout. Ouais, super. Tu peux nous récupérer avec le bateau, s'il te plaît? Mais non, moi ce que je veux voir, c'est... Oh putain, je peux te récupérer juste toi. Ouais, c'est déjà ça, je gagne une case, merci. Ça fait plaisir. En gros, Shina, il faut que tu viennes jusque là. T'inquiète, j'arrive. Oh, là, t'es feignant. Yes. Ah ouais, après... Après, t'aurais pu aller embrouiller un gobelin. Si t'avais fait les choses dans le bon ordre, taper un globzou tout seul. Jusque là, hein, c'est ça? Ouais, tu peux même faire un pas devant si tu veux. Bah non, tu m'as dit jusque là, moi c'est jusque là. Donc ça, je régène un peu. 2 points de vie, c'est 2 points de vie, hein. C'est. Exactement. Donjon niveau 2. Ouais. Alors, et nous, d'abord, je vais quitter le truc et je vais envoyer l'aume de gobelin. Ouais. Le béret élégant. Le truc robuste, la fraise, je l'équipe à la place du montantis brillant. Je te donne ça et je te donne la barbe de Dieu. Je garde un fléau des harpies. C'est pas... ouais, quoi, je suis tellement immunisé aux malédictions. Non, tiens, je te donne un fléau des harpies, j'en ai pas besoin. Je suis immunisé aux malédictions, c'est vrai. Je suis immunisé à tout ce qui traîne, à peu près. Globalement, attends. C'est déjà pas mal. Ah, y a juste le choc sur le coude. Un guerrier mort. Pillez-le et faites pas prêt direct. Par-ci, tu fais pas prêt directement, d'accord? Non, c'est moi. Mais oui. Non, ne sois pas prêt. Passez ça, j'en veux pas. C'est nul. Ça n'intéresse personne. Ça, ah, ça peut intéresser un guerrier, ça. Ouais. Un tank. Ou même. Bon, bah ça peut intéresser absolument personne. Jeter. Là t'entends dans l'eau. Non mais pensez aussi que Pardy il a pas de cuirasse. Donc ouais bah tu l'envoies Jack. Ouais tu lui envoies un bon vieux Jack. Jack. Oh cet arc hein. Cet arc m'amène hein. Attends, je t'envoie deux trucs. Du coup Pardy tiens donner et ça à utiliser tout de suite s'il te plaît. Le bonbon différent. T'as des bottes ou pas toi? Moi non. Si, t'as des bottes, je t'ai dit, t'as ouais, vigilance, et t'as le chapeau voyageur. De vigilance. Voilà, ok. T'as des bottes. Est-ce que toi t'as un pendentif, Knarfang? J'ai un... Alors attends, babiole. Ouais, j'ai un collier. J'ai pas de babiole, mais j'ai un collier. D'accord. Est-ce que tu veux la tige de verre? Qui fait 12. Ton grim, il fait combien? 8. 8. Pff, franchement, on peut la vendre, hein. Parce que bon là je fais du feu en zone. Ok. Béret, machin, bidule, du coup. Si t'as une babiole, je peux mettre une babiole. Non, j'ai pas de babiole. Oh, bah, voilà. Bon, après c'est bon. T'as utilisé le pont? Vas-y. Oui, comment? Oui, moi c'est bon. T'as utilisé le bonbon, c'est bon? Ouais, ouais. Ok. Parce que j'ai oublié de te le donner tout à l'heure, de comme on a un petit truc. Le vide-coup, c'est là, s'il vous plaît. Ah, si t'as une attaque de zone, fais l'attaque de zone, hein. Quoique non, le vide gousset, t'as 17 de dégâts si tu peux goûter. Voilà, hop, débarrasse de ce truc.
Il est trop bien cet arc. Ah, connerie là. Et il fait du dégât magique si besoin. Ouais. C'est ça. Même si théoriquement tu fais moins de dégâts en magique du coup qu'en physique. Ouais. Moins, moi il m'indique 17. Ah ouais tu as dit... Ah c'est marrant le coup du coup. Alors là les copains, tu te régales. Hein. Le seul arc qui pourrait me faire changer, c'est l'arc doré. Ouais, l'arc royal là, c'est ça. Non, oui, c'est l'arc doré. Ça. Ouais, l'arc doré. Ah, même l'arc d'argent avant. Hein, ou... L'arc du pêcheur est quand même très bien. Je passe, j'ai pas assez de talent, désolé les amis. Eh bien, fuis, pauvre fou. J'ai aucune chance de réussir quoi que ce soit là. 53% de chance de réussite. Eh ben, bah c'est bon. J'ai la peine du mal. Salut. J'ai perdu un tiers de ma life. Tout va bien. Alors, est-ce que tu vas esquiver avec des tétons? Pratique l'esquive d'élite, hein. Voici. Mmh. Yes, c'est GG mon final. Lundi, pourquoi j'ai passé? J'ai pas esquivé des lits, moi. Si. Ah bon, avec quoi? Le casque. Esquive en plus 4 d'élite. Putain, bravo, ça c'est trop bien. Et avec un bonus de 4 de vitesse. Est-ce que vous voulez que je... Non, ça vaut pas le coup. Non. On pète la forme. On pète la forme et on pète la sorcière. J'aurais pas forcément fait la sorcière parce que celle-ci ne peut pas nous mettre de malédiction, mais ouais. Je pensais plus au, au charmeur d'os. Ouais, c'est ça. Petit enfoiré qui fait du feu. Oh là, je reste concentré moi. Attention, à aucun moment je me déconcentre. Bah, moi je suis immunisé. PTDR. Je suis pas immunisé aux flèches, PTDR. Ouais, le charmeur. Je savais pas ce qu'il faisait le charmeur. Qui va améliorer. C'est que pour une personne est-ce qu'il va améliorer. Hein. Ouais. Moi il veut pas rentrer ses points, ça me dégoûte. Vas-y, hein, le charmeur d'os, on le termine. Ha! J'ai pas une petite attaque de zone. La petite attaque de zone là. pas un petit truc qui zone sur deux crétins là. C'est très beau comme attaque. Ah non mais regarde ailleurs, il se présente. Pas fait de squelette. Et là tu fais un parfait comme. Bah en même temps c'est ce qu'il fallait. Je suis mis 11, il avait 11. Récupérer, ça fait toujours de l'argent. Deux petites flèches plantées dans le cœur, tu vois, ça se passe très bien. Et aussi, niveau pas d'inconvénient. Excellent. Le cube. Le cube. 200%. Alors moi, j'ai aucun problème avec le cube. Hein. C'est mon pote Angelé, je l'appelle. L'immunité au poison ne contre pas l'acide. Oui, mais c'est un cube de gelée verte, donc il ne fait pas d'acide. Non, il fait il que ne fait que l'empoisonnement. Le bleu fait du double empoisonnement, et c'est le jaune et rouge qui font de l'acide. D'accord, pour moi ils ressemblent tous les mêmes. Hein. Oui, pour toi c'est un peu les mêmes couleurs, mais sache que celui-là c'est un cube vert. D'accord. C'est un cube orc. Voilà. Orc. Après, je peux mettre le feu. Hein. Vas-y. Moi ça me sauce. Hein. Allumez. En critique en plus, hein. En critique. Eh ben. Fais le charmeur. Il a de la résistance physique aussi. Mais c'est pas grave, je tape dans les soit physique soit magique. Ah ouais, d'accord. Avec ça. Trop bien, Stark. Par contre, il se casse. Ouais, mais faut faire un échec critique, faut faire 3 échecs. Ouais, tu sais qu'avec ce jeu, tout est possible, hein, tout est réalisable. Effectivement. Et là, il meurt tout seul. Mais oui. Il est rangé. Bien rangé, même. Quand même ramasser ses affaires. Ouh, c'est pour Bibi. Ah, ça c'est pour toi, ouais. Yes. Pas inintéressant comme couteau. Mais non. Bon, là t'es parti sur un stuff fort, ça te ferait tellement tomber en valeur. Oh oui.
Ça te ferait t'effondrer en valeur. Putain, ça, ah, c'est bien. Ça c'est remboursé, ça, ça fait plaisir ça. Remboursé, ouais. Récupérer. Est-ce que tu peux m'envoyer à la limite une herbacée dorée? Parce que bon, vu que je suis un mage, il est possible que je consomme un peu de. Un peu abusivement de concentration. Normalement j'aurais tout pour me reconcentrer. Ouais, alors tout c'était peut-être pas nécessaire, mais merci. Moi j'ai la discipline pour reconcentrer. C'est apprécié. Encore ah, non, non, je vais encore reprendre 10 PV dans ma gueule. Ah, moi je suis pas tout seul. Merci Shinai, c'est sympa. 25%. Aïe 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 aïe. J'aurais claqué une plante, t'aurais peut-être pu mettre ouais, des trucs. Enfin, claquer une plante pour un piège, ça me fait mal au cœur. Et l'autre, il se la pète là. Oh, enfoiré de merde. Ah, désolé des chasseurs, les gars. Ouais, je suis plus Tatiego. Ah, c'est pour les gens musculeux. Donc c'est pour moi. J'ai 9% de chance de réussite. Moi j'ai à 19. À 19 quand même. 55, hein. C'est pas la même difficulté. Et vanille. Oh là là, pff, niveau 3 quoi, il ouvre les portes avec des moulinets d'épée. Complètement stylé. Un merlingue, deux merlingues, trois merlingues. Est-ce que ça finit pour en faire 4? Non. 59 PV le machin là. Ils sont niveau 4, mais c'est... On fait quoi? On se le focus lui ou... Je dirais les autres parce qu'ils mouillent et ils cassent les couilles en fait. Comme ça c'est vite fait en fait. Ok. Voilà, pour son tour il y a déjà un autre qui attend. Ce qui est bien c'est qu'ils sont pas immunisés au feu. En fait tu veux les derrière. Ouais, il faudra toujours m'expliquer la logique du boss Merlin qui est immunisé au feu et à l'eau quoi. T'sais, il est immunisé à un élément et son contraire. Ce qui est trop fort en fait. Un peu. Un soin peut-être. Oh non. Ça devrait bien se passer. Je pense que deux merlingues. Moi je pars sur un allumage ou. Ouais, allumage. J'ai juste allumé un. Si vous en tuez un, je meurs pas. Bute le merling. Le boss, on le fait après. Ça fait une attaque en moins. Ouais, c'est ça. Et l'autre, je pense pas qu'il peut me mettre 14 d'un coup. Non, c'est pour ma gueule. Ah non. Je suis mouillé. Oh. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Apparemment pas. Ça va pas lui faire de dégâts. Il survit pas. Parfois de gros dégâts. Protégé. Ah oui, mais il saigne. Bien joué. Ouais, c'est ça, il fait du renvoi de dégâts. Non, c'est juste protégé. Moins 8. Oh, ok, intéressant. Moins 8, c'est toujours agréable. Hein. C'est une attaque hein, sur lui. Hein. 44 pièces d'or. Ah, ah, j'ai déjà la même à la maison, mais je vais éviter de changer de vêtements maintenant. Je sens encore le poisson. Ah, ah, pas mal. Ah, on aime là. Ouf. Oh. Ça, il est pas mal celui-là. Ah, par au contre, départ. C'était bien servi, ça, monsieur. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, parce que je crois que tu perces l'armure avec l'autre couteau que t'as, mais. Ouais. Mais. Plus de dégâts. Plus de dégâts, compétence contre. Ouais, 4 d'esquive, 4 de coups critiques. Hop, de taper contre le mec. Ouais. Après, c'est toi qui vois. Hein. Et t'as la riposte qui, je crois, te donne en gros le bouclier qui te permet de. Quand le mec te tape, il se prend du retour de dégâts, je crois. Il se prend les dégâts qui t'a collé en fait. Ouais, c'est ça. Il se prend son retour de dégâts. Donc, ça, contre le requin, c'est plutôt pas mal. Hein. Contre n'importe quel gros, c'est super bien. Je reste l'individu. Ah non, c'est. Du coup, c'est Samuel, l'individu le plus technique du groupe. Non, c'est toi. Non, mais gueule, 79. Ah non, 79, ah oui, t'as raison, t'es nul. T'es nul. Tiens, chat. Pardon?
disais. Chut. Putain. Tiens, on peut continuer comme ça longtemps. Hein. Bordel. Fallait que je me rende. J'aurais pu. J'ai repris un point. Fallait que je me rende compte. Incroyable. Quoi? Mais quoi? C'est énorme. Ah, faut qu'il y en ait un qui valide là. Voilà, c'est une histoire de Merlin, des temples d'eau. Et on ça affaiblit le boss, ça retarde le boss, le déluge a été contenu. GG à nous, bravo pour le contenu. Farfadet! Embuscade! Ça sert à rien. Ah, si, ça me donne une attaque, ça me donne une attaque avant lui. Donc ça me va très bien. Oh, comment je me tiens! Je kiffe! Regarde! Ouais, bah oui, t'as le style avec ça. Et tu peux te mettre en plus de ça une petite bocle. Une petite bocle d'esquive. Ah bah tiens, le chasseur, file lui ta bocle d'esquive là. Le chasseur il garde tout pour lui, la lance, tous les arcs. Tu sais, le mec il lâche rien quoi. C'est Crevarman, on l'appelle dans le milieu. Je vais camper ici. Voilà. Ça y est, t'as envoyé, tu peux l'équiper si tu veux. J'ai 22 d'esquive. C'est beau, hein? Ouais. Alors, il y avait des îles dans le sud. Et je pense qu'il y a même des villes dans le sud. Bon, ça, je sais pas. Fais un tour à pied, je te ramasserai. Ok. T'as un point que tu peux griller là? Oh, vanille! Oh, la sagesse de ce moine. Il y a un héros de pierre à droite, à gauche pardon. Ouais, l'autre gauche. Ok, ça marche. Ouais. Et il y a un porteur de parchemin, un marchand magique à côté. Est-ce que tu veux aller le voir? Ok. Vendeur de parchemin, non, on s'en fout de vendeur de parchemin, ça sert à rien. Ouais, ça m'aide, va visiter. Visite super bien. J'espère que tu as tombé sur un monstre niveau 5, dommage. Non, tu pouvais rester sur place, Regen, on t'aurait ramassé. Ouais, ouais, ouais. Bah, va jusqu'au héros parce que Samel est toujours niveau 2 et que tu as pitié à voir. Allez, vas-y, t'es super intelligent. Bon, t'as récupéré de la contre-concentration, c'est déjà ça. La concentration. Oh, vent volant, violent. Ça, ça fait plaisir. Alors ce qui est bien c'est que du coup bah moi je fais rien, comme ça je récupère des points de vie. Samel, claque tes deux points à la con et puis prends ton bonheur. Ah ouais. Putain c'est le chasseur qui a le moins d'XP hein. Vraiment, si t'attendais quoi qu'on soit level 4 pour avoir ton... Ah, il y a un sanctuaire en plus. Sanctuaire qui est pour moi. Ah. Ah, de la vitalité. Tu dépenses tous tes points. Ah bah oui, parce que oui, tu le récupères tout de suite, excuse-moi, je suis bête. Ok, je croyais que tu allais le chercher plus tard. Ah bah, il y a cric d'argent à côté. Peut-être pouvoir s'acheter un vrai bateau. Attends, tu... On embrouille tout ce qui passe, là. Oh, bien sûr. Ah, la potence, cool. Niveau 6, hein. Oui, c'est toujours les boss. C'est toujours fou les boss. Allez, essaye de ne pas te ridiculiser. Pense que t'as deux points de concentration. Non. Le boss fait la marque mortelle. J'ai posé la question. Le boss fait la marque mortelle. Oui, mais tu rames tellement que du coup tu prends même pas le temps de. Le temps que ta réponse nous arrive. Le boss fait la marque mortelle. Voilà. Je répète. Le boss fait la marque mortelle. Bref, vous avez compris. Alors, bah, le boss fait de la marque mortelle. Protéger, riposte, et ben on va. Tu peux aller taper dans sa gueule. Merci. Pour les malbatoires. Moi, par contre, si vous voulez, je peux effectivement zone un peu les loustiques là. Voilà, 80% c'est suffit largement. Ah, ils sont immunisés, bon, c'est pas grave. Ça fait quelques dégâts, ça tue un mec. C'était très bien.
Tardy, je crois que tu rames. Ouais, léger, hein. Ouais, je crois que t'es en train de mourir là. Non. Dommage. Oh, mais... Bah voilà. C'est pas plus mal dans un sens, hein, t'inquiète. Ouais, 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 parce qu'il nous a pas encore fait de marque mortelle, ouais. Après, ça va être la course, hein. Putain. Bah voilà, ça t'apprendra à faire n'importe quoi. Il faut taper le mob. Voilà, c'est tout. Je suis super simple. Je suis mort à cause de vous. C'était. Bah à la base, je suis mort à cause de vous parce que ça fait 3 fois que vous auriez dû le taper. Ça fait 3 occasions que vous avez raté de le taper. Voilà. J'ai perdu mon sanctuaire pour vous repêcher. À la base, je voulais te faire une. Je peux faire des trucs stupides moi aussi. J'adore. La riposte, elle était pour toi. Inutile. Il fallait juste lui taper à chaque fois dès que vous pouviez dessus. C'est tout. C'était tout. C'était tout ce qu'il fallait faire. Vous êtes des originaux. Vous êtes des artistes, vous, non? C'est pas pour moi, ce genre de truc. J'hésite, en vrai. Ça m'enlève 2 d'armure, ça me donne 10 PV. Alors, normalement, c'est plus pour Samel comme stuff. Mais bon. Ça augmente pas les dégâts, hein, celui-là. Hein. Bah, ah ouais. Si, les coups critiques. Ah ouais, bah attends, je l'envoie. Mais bon, il s'est pas manifesté, il en a plus rien à foutre là. Je pense qu'il fait. Non, non, c'est. Non, non, il disait qu'il a voulu. En plus, ça lui rend des PV, hein, et le chasseur, c'est pas le truc qui a le plus de PV. Moi, s'il a voulu, je lui laisse un. Cadeau. Pas... Putain, j'ai plus mon sanctuaire quoi. Je suis un joueur deg. Aucun inconvénient. Merci, camarade. Attends, c'est le dernier tour en fait. Ah oui, j'aurais dû arriver de fin à la vidéo là parce que ça a commencé à faire un petit peu. Table crabe du cul. On embrouille le crabe. En vrai, on a assez d'argent pour aller tout droit à Cric Argent et acheter un vrai bateau. On régénérera mieux dessus. Le puissant Kraken a récemment été repéré dans ses autres côtés pour un fringale. Est-ce que tu veux le genre? Non, non, je vais te laisser amener le bateau jusque là-bas, qu'on n'est pas à l'embrouille de la dernière fois, donc on peut pas sortir un bateau parce qu'il y a un bateau. Vas-y, fais le tour. Ouais, on va jusque là. Donc, c'est bon, tu peux aller faire les cases à côté. Non mais il s'en fout. Il s'en fout, il joue solo là. Ah bah c'est le bataille. Par contre on a pris aucune quête annexe. Bah oui parce qu'on a fait toutes les quêtes annexes qu'on avait. D'accord. Du coup... Bah y'a un coupe-coupe pour toi hein. Ouais attends je suis pas dans ça. Bref. Ok. Bah, en quête y'a un coupe-coupe qui fait 25 dégâts. Et non on a pas assez pour le bateau blindé. Non mais on s'en fout du bateau blindé. Prends l'autre, prends bataille. Et un coupe-coupe pour moi? Dans les quêtes. Ah dans les quêtes, ok. Ah ouais, tout bien. Il y a 3 barbes de dieu, mais idéalement si tu peux acheter un vrai bateau. Ouais. Le bateau marchand en fait, hein, parce que je crois que le bateau blindé donne pas plus de mouvement, il donne juste le point de blindage. C'est ça. Il a plus de PV par contre. Service. Récupérer le navire, ça vous fera économiser un point de mouvement. Tac. Et je vais vendre mon merdier. Donc j'en ai. Alors attendez. Papier de radeau. Oui, c'est le radeau que je vends. Vendre. Alors si tu veux même nous faire économiser des cases, il faudrait que tu ramasses le bateau et que tu remettes le bateau à la mer. C'est normal, yes. Il doit te le poser sur la case de droite. Ça nous fait économiser de mouvement. Attends, je veux juste. Je prends le temps, hein. Je veux juste pas faire de conneries. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Et il faudra pas passer ton tour, il faudra te décaler d'une case. Observer la case qu'on a pas repérée. Et au passage, si 13 des souillou, ça serait bien que tu regardes le prix des auberges pour nous faire péter un peu de cul. Parce qu'on n'est pas frais. Bah le bateau il est en haut. Oui, c'est pour ça que je te dis ramasse-le et remets-le à la mer. Normalement il devrait te le mettre sur la case de droite. Sauf que c'était là où il y avait notre... Yes. Alors service... Ça fait économiser 2 cases de mou. Ça fait perdre du temps mais pas dans le... Pas de mouvement en jeu.
Ah, attends, j'ai oublié de vendre le Lotus. Ouais. 23. Eh B. Là, ça va un peu de pognon ce truc. Du coup. Ouais. Comment je fais pour utiliser le. Ah bah, tu fais service. Ah, c'est dans un service, ok. Voilà. Voilà. Il y a droite. Tu peux acheter du coup les barbes de Dieu. Eh bah, tu peux acheter, vas-y, achète les barbes de Dieu. Et il faut que tu donnes 16 balles à Samael et à moi. Et il faut que tu te décales d'une case sur terre pour aller observer la dernière case. Yes. Pareil. Et c'est parfait. Voilà. Voilà. Et puis voilà. Tiens. Exactement. Et puis on peut faire des bisous à YouTube. J'ai pas fait YouTube. Bisous YouTube. Bisous.